Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un invité exceptionnel, mon lapin Cuppy. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo avec lui, c'est vrai que je ne le montre pas très souvent sur ma chaîne. Tu vas aller là-bas? Vas-y. Vous le voyez surtout plus sur mes réseaux sociaux, donc notamment Instagram et Snapchat, donc je vous invite à m'y suivre. Donc aujourd'hui j'ai décidé de le mettre à l'honneur, j'ai acheté il y a quelques temps des petits jouets pour lui et je me suis dit tiens pourquoi je testerais pas en vidéo. Voilà, de tester un peu son intelligence. Je me suis dit que ça pouvait être drôle de me dire est-ce que mon lapin est intelligent ou pas. Je sais que ça existe déjà ce genre de vidéo avec des chiens, donc j'ai jamais vu avec des lapins, ça peut être drôle. Donc c'est parti, on va tester ça tout de suite. Si la vidéo vous plaît, que vous voulez que je recommence d'autres vidéos avec lui, n'oubliez pas de liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et m'encourager sur YouTube. Je vois des poils qui volent là devant la caméra, je suis désolée si ça vous gêne. Et du coup bah c'est parti, il est en face de moi, il a pas l'air très motivé. Je vais faire plusieurs tests sur lui. Donc le premier c'est de mettre une serviette sur sa tête et de voir en combien de temps il en sort. Et s'il met moins d'une minute, il est censé être intelligent. Et après on va tester un peu avec les jouets que j'ai achetés. Donc c'est parti, on y va. Donc c'est parti, je suis en place pour le premier test, j'ai une serviette. Le pauvre franchement il sait pas à quoi s'attendre. Je vais lui mettre sur la tête, on va voir comment il réagit. Donc pour information, si ça vous intéresse, Cuppy, donc de son vrai nom Cupcake, a 4 ans, c'était un lapin bélier angora, je l'avais acheté en animalerie, donc du coup il y a 4 ans, je pense que si je reprenais un lapin par la suite, je le prendrais pas en animalerie, mais plutôt chez un éleveur. Donc voilà, c'est parti. T'es prêt Cuppy? Tu mets de la litière partout par terre. Allez, chronomètre. 1, 2, 3, 4, 5... 6. Ah, il a déjà sorti la tête. Vous voyez ou pas? C'est bien. C'est bien. Le pauvre. Ça va en moins de 10 secondes. Donc ça, c'est une preuve d'intelligence. Il a déjà, on va dire, un point. Parce que je pense que la suite s'annonce beaucoup plus dure. C'est avec des jeux. Et quand je les ai déballés, ça n'avait pas du tout l'air de l'intéresser. Mais on va tester. On va passer donc au deuxième test. J'ai acheté en fait ce jouet sur un site en ligne. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, j'avais acheté plein de trucs en même temps. Et là c'est écrit c'est un jeu d'intelligence pour lapin et tout autre animal genre chinchilla etc. En fait il y a plusieurs niveaux, le premier niveau c'est celui-ci. J'ai mis des petites friandises qu'il aime bien, des morceaux de carottes, des petites graines, tout ça. Et après il faut mettre le palais et il est censé en fait réussir à coulisser pour récupérer les friandises. Après Cuppy c'est pas un lapin spécialement très gourmand, donc j'espère que ça va marcher, que ça va l'attirer. Donc on va tester ça et voir si ça marche ou s'il s'en fout carrément. Et après en fait il y a aussi d'autres niveaux avec des petits trucs comme ça qu'on met au-dessus de la friandise et là il doit soulever. Et après il y a un dernier niveau mais bon, est-ce qu'on va déjà arriver au premier? Donc Cuppy, je te montre ça, j'espère que ça te plaira. Et on zoome avec la caméra. Le pauvre voilà il est pris au piège, je vais lui approcher un petit peu, regarde. Est-ce qu'il sent l'odeur des carottes et des friandises? Il s'en fout on dirait. Voilà, faut savoir aussi que je fais vraiment beaucoup de choses pour essayer de l'éveiller. Il est 24 heures sur 24 en liberté, il est jamais enfermé en cage. Donc là c'est pour ça que je sais pas trop si ça va l'intéresser ou pas. Bon, il est figé on dirait. Mon bébé. Il est figé, il fait souvent ça quand j'essaie de le prendre en photo ou en vidéo, je sais pas. Bon, on sait jamais, je vais essayer de remplacer ça par les petits trucs. Je pense pas que ça va changer grand chose. Mais en vrai là je suis sûre que quand je vais éteindre la caméra il va jouer avec hein. A few moments later. Bon pour le dernier test je lui ai acheté en fait une petite balançoire et je voulais voir un peu comment il réagit face à ça, s'il comprend bien le principe etc. Bon là il a pas l'air très disposé à coopérer. Mais voilà, faut de la patience, je pense, avec lui. Regarde, Cuppy. Two hours later. Voilà, vous
vous avez vu les trois tests, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pensais qu'il serait un peu plus coopératif, mais bon, c'est vrai que voilà, il a 4 ans, c'est un petit pépère et je fais pas souvent voilà, des petits jeux comme ça. Donc il a pas l'habitude et peut-être que dans quelques temps ça ira mieux. Donc je sais pas s'il a montré des grands signes d'intelligence dans cette vidéo, mais en tout cas voilà, moi je l'aime quand même, c'est mon petit cuppy. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un animal de compagnie et qu'est-ce que c'est. J'espère encore que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.